La chose qui nous intéresse le plus. Ouais. Je regarde juste ça, c'est incroyable. Attends, on va descendre. Ah ouais, on a tous les skins en fait. Ah bah ouais. Comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux sous Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu mets un petit pouce bleu et bien sûr tu mets le code créateur Vindex dans la boutique Fortnite. Une fois que tu as fait tout ça, tu mets ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Tu peux le mettre plusieurs fois, ça me dérange surtout pas. Et bien sûr, bonne vidéo. Ok, du coup là on se retrouve sur le compte, on est de simplement nommé Fintex, on va lancer le Battle Royale, on va voir ce qu'on a. Alors vraiment, connexion en cours, ah je suis trop content là, what the fuck, il y a plus de 5000 V-Bucks, normal, j'arrive sur un coup, il y a plus de 5000 V-Bucks, niveau 10, attends, il est vraiment niveau 10, oh, niveau 10 000, il est niveau 10 000 les gars, what the fuck. Ok, du coup on va simplement partir dans le casier, attends, non, on va pas partir dans le casier, on va partir dans les revêtements. Alors qu'est-ce qu'on a dans les revêtements? Waouh, what the fuck. Oh, on a combien de revêtements? Ouais, c'est quoi ça? TPD. Ah ouais, attends, par contre, il y a vraiment des revêtements que j'ai jamais vus. On a tous les revêtements du jeu, c'est incroyable. On va prendre celui-là, exemple, il est vraiment magnifique, le Kevin. Attends, du coup, on a quoi ici? Dans les émotes. Ouais, Travis Scott, pour les gens qui connaissent. Il y a vraiment pas mal cette là aussi. Ok, mais moi je vais voir des émotes qu'on a jamais vu dans le jeu. Ça c'est... Ah ouais, c'est Major Lazer là. Il est vraiment pas mal. Mais on a le nombre d'émotes qu'on a, c'est incroyable. Attends, on a vraiment tous les émotes du jeu. Attends, on a cette émote là. Ah bah oui, celui-là c'est avec le pack là de glace quand il était sorti. Attends, on a vraiment des... Non, vraiment des émotes. Attends, c'est quoi ça? Par contre, je vous jure qu'il y a des émotes que j'ai jamais vu. Oh, what? Attends, c'est quoi ça? Mais what the fuck? C'est quoi ces émotes? Attends. Mais c'est, il fait toujours la même animation, en fait. Place. What? What the fuck, les gars? Non, mais qui a déjà vu ces émotes? Même dans les leaks, on n'a pas des émotes comme ça. Waouh. Ouais, ça c'est de Fatalities. Fatalize. J'ai carrément dit Fatalities. On a le Bab. What? On a la danse de Fortnite pour les joueurs qui connaissent. Yeah, pam pam pam. Ok, du coup, on va sauvegarder. On va prendre ça. Alors, on va partir dans les traînées de condensation. Alors, on a vraiment des, tous les traînées du jeu. Alors, vraiment, je découvre en même temps que vous les traînez là. Attends, c'est quoi ça? Why? Avec une mallette? Ah bah oui, c'était avec un des skins assassin là. Par contre, il est toujours là lui, j'ai pas compris. Ok, ça c'est le basique, d'accord. Mais en fait, juste pour le basique, on fait juste comme ça, on n'a pas. Ok, très bien. Alors, dans les planeurs, on a quoi? Wow, pour moi, le meilleur planeur du jeu, il reste un, celui-là de Travis Scott. C'est vraiment magnifique et incroyable. Attends, on a vraiment des planeurs incroyables. On a tous les planeurs. Par contre, moi, j'ai pas débloqué tout le poste de combat. Dites-moi dans les commentaires si vous avez débloqué tout le poste de combat ou pas. Pour ma part, j'ai pas débloqué tout. Alors vraiment, je découvre en même temps que vous, on a vraiment tous les planeurs du jeu. Attends, c'est quoi ça? Attends, le play 77. Waouh! On a vraiment tous les émotes. Tous les planeurs, parce que je raconte les émotes. Mais what? C'est quoi ça? Et après, ça affiche comme ça une image rose. J'ai pas bien compris ça. Ah, pour les gens qui connaissent, le planeur Mako. Pour tous les gens qui connaissent, voilà. Dites-moi si vous avez ce planeur là dans votre casier ou pas. On a vraiment des planeurs ultra rares. Donc on a les planeurs de top 1, on a ce planeur test. Mais what? Test? C'est quoi ce compte? Attends, on va partir dans les pioches. On a quoi? On a les pioches. Ah bah oui, c'est normal, on a tous les pioches du jeu. Si on a tous les revêtements, on a tout, mais c'est normal, on a tout. Mais waouh. On a vraiment tout de chez tout là. Waouh, ah, je suis vraiment choqué en fait. Mais on a vraiment tout. Par contre, celui-là, c'est quoi? Ah ouais, d'accord. Ok. On a celui-là, le chocolat. Pas mal. Franchement, j'aime bien. Alors. Wow, on a... Attends, c'est quoi ça? Mais what? C'est quoi ça? Ah, je pense que c'est un test. Vous imaginez vous balader avec une pioche comme ça dans le jeu? Oh là là. Pas mal, vraiment. On va partir dans les sacs à dos. Après, on va voir les skins. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a? Waouh, tous les sacs à dos qu'on a. Ouais, c'est quoi ça?
Je vous jure, j'ai jamais vu ce sac à dos là, c'est quoi ce truc? Il est dégueulasse. C'est fun. Alors lui, il a pas la langue, il a la langue, lui, il a la langue à moitié sortie, d'accord. Alors, franchement, je découvre en même temps que vous, on a vraiment des planeurs. Des planeurs. Vraiment tellement, il y a trop de choses, je confonds. Alors, c'est quoi ça? Pas mal, pas mal. What? C'est quoi ça? Franchement, je l'ai jamais vu. Waouh, on a l'insigne! Qui est juste disponible hein, pour les Chinois, je pense. Ouais, c'était ça. C'est cet accessoire de dos là, je pense. Ouais. Après, on a quoi d'autre? On a la météorite. Bah ouais. Waouh, le nombre d'accessoires de dos qu'on a. On a vraiment énormément de choses. Exemple, on va prendre celui-là avec les pièces, pas mal. Après, on va partir dans les skins. La chose qui nous intéresse le plus. Je regarde juste ça, c'est incroyable. Attends, attends, on va descendre, on va descendre. Ah, on a tous les skins en fait. Ah bah ouais. Attends, on va voir si on a Midas en. Ah, on a Midas complet. Ah, dommage, on n'a pas Midas en version zombie. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on a vraiment. Attends. Par contre. Ah ouais, c'est des skins super-héros, d'accord. Ah ouais, on a. Par contre, ce skin là. Ah ouais, d'accord, très bien. On a le skin Travis Scott. On voit vraiment avec les paires de Jordan là, ils sont magnifiques ce skin. Il est vraiment magnifique. On a tous les skins. Attends, c'est quoi ce skin? Le corbeau poule. Ah oui, c'est avec un Deadpool. Ouais. Je me souviens. Attends, c'est quoi ça? What? On a un skin invisible? What the fuck? On a un skin invisible. D'accord, ça commence bien. On a ça, le 7. On a un Corsus. Le Stormtrooper, mais on l'a déjà là. Pourquoi on a deux versions? Ah, on a la version basique. Regardez, regardez la différence. Ah ouais, celui-là franchement il est le plus beau, le plus stylé. Ça c'est le skin là, parce que moi je l'ai sur mon compte. Ah, le magnifique skin, le plus beau skin du jeu. Le skin Fintech, il est là. Regardez pour les gens qui connaissent, bah oui, logique. On a vraiment énorme. Attends, c'est quoi ce skin? Badaboom, pas mal, pas mal. Attends. On a en version zombie comme ça, fantôme, moitié squelette, qui est pas mal. Ouais, on a celui-là du. Non, mais non, je voulais pas prendre celui-là. On a celui-là du pack qui est sorti il y a pas longtemps dans la boutique. Franchement, avec 100 000 V-Bucks, on peut acheter toute la boutique durant un an, je pense. Hein. C'est juste incroyable le nombre de skins qu'on a. On a le skin Honor. On a le skin iconique. On a ce skin-là qui est vraiment super stylé. Pour ma part, je l'ai acheté parce qu'il est vraiment super stylé. Comme d'habitude, si vous achetez vos skins, pensez à utiliser le code créateur Fintech dans la boutique. Ouais, ça fait juste super plaisir. Alors qu'on a vraiment énormément de skins. What? What? C'est quoi ce skin? Hein? Mais what the fuck? C'est quoi ce skin? Le Huntsman optimisé de matériel. D'accord. Alors il y a des skins que j'ai pas vu ou quoi? Ok. Attends, mais par contre, c'est quoi ce skin? On a le robot. Waouh! Oh, il est trop stylé! Oh, il est vraiment trop stylé ce skin-là. Alors on a. Le soldat festif, bon, à part je l'ai pas. Attends. Waouh! Le nombre de skins qu'on a! Mais wesh! What? Attends, il y a vraiment des skins incroyables là! Hop là! Pourquoi ils ressortent deux fois le même skin dans le compte? J'ai pas compris ça! On a les skins PlayStation pour les gens qu'ils ont. Wow! What? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est le truc de Stark. Ok, d'accord. Pas mal. Ah ouais, on a le. Ah, oh, Rustro, j'ai même plus à parler tellement. Il y a trop de skins là, c'est incroyable. Par contre, il y a ce skin, j'ai jamais vu. Dites-moi si vous avez déjà tous les skins ou pas. Bon, à part, il y a vraiment des skins tellement. Il y a trop de skins qui sont sortis dernièrement. J'ai pas pu voir tous les skins. Alors, on a ce skin là. Ah, le nombre de skins qu'on a, c'est incroyable. Par contre, il y a des skins que j'ai jamais vus. Dites-moi dans ma part si vous avez tous ces skins ou pas dans votre casier. Ah, le Rico Nespert, la jalonneuse dommage qui est sortie dans la boutique. Ça, c'est vraiment dommage. C'était vraiment un skin ultra rare. Ah ouais, il y a ce skin qui est pas mal. Il y a un sniper, soldat colombien pour les gens qui connaissent les forces spéciales. Hop là, du coup. Ah ouais, on a tous les poissons sky. Les poissons sky. J'ai carrément dit les poissons sky. On a ce. Ah ouais, ça, c'était dans le pack là. Dans Sauver le monde, ok. On a ce skin là. On a le skin Apple pour les gens qui ont fait la compétition, voilà, pour débloquer avec le hashtag Free Fortnite.
qui est toujours en procès, je pense, contre Epic Games, contre Fortnite. J'ai jamais compris pourquoi. Et ils se sont bien foutus de la gueule de Apple avec ce skin là. C'est vraiment magnifique, hein, cet événement là. Franchement, je dis que vraiment, on a tous les skins basiques. Ok, d'accord. Franchement, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce casier là. Il est vraiment incroyable. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce compte là avec plus de 100 000 V-Bucks niveau 10 000. Alors, j'espère vraiment, en tout cas, vraiment que ces petites vidéos sur le compte d'un hacker, voilà, c'est vraiment un compte incroyable que vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre le code créateur FinTechBE dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Allez, ciao tout le monde.